plus de 50 ans après leur première rencontre dans la cour du lycée François Villon. Situé dans le 14e arrondissement de Paris, Jean Bandet, ami d'enfance du chanteur Jean-Jacques Goldman, publie aux éditions Albin Michel le livre « Il suffira d'un signe ». Un livre exclusif qui retrace la carrière de la personnalité préférée des Français. Au fil de la lecture, l'écrivain revient sur leur amitié, leur rivalité aussi, tout en racontant leur histoire personnelle, professionnelle et amoureuse. Avec Jean-Jacques, on échange nos vinyles, il est en permanence à l'affût de nouveautés et a déjà un solide bagage académique. Il connaît le solfège et a un bon niveau au piano et au violon, fait-il savoir dans son livre et dont Le Parisien s'est procuré des extraits. Dimanche 14 novembre 2021. Désireux de dépeindre avec exactitude son amitié avec le chanteur qui a quitté Paris pour s'installer à Londres. Jean Bandet, qui a eu l'aval de Jean-Jacques Goldman pour publier son ouvrage, a également raconté une anecdote inédite au sujet de la carrière de son meilleur ami de lycée. Dans les colonnes du Parisien, Jean Bandet est revenu sur ce tragique incendie qui aurait pu coûter la vie à Jean-Jacques Goldman. Leur agenda surchargé leur sauve la vie. Le 1er novembre 1970, 146 jeunes décèdent dans l'incendie du 5 à 7. Une discothèque près de Grenoble. Phalanx T, le groupe de rock de Jean-Jacques Goldman, avait été remplacé au dernier moment. Apprend-on, proche de son groupe de musique, qu'il a fondé en 1969, Jean-Jacques Goldman décide de l'abandonner quelques années plus tard pour se lancer en solo. Un jour, il nous a lâchés, au fait, les mecs, je ne vous ai pas dit, mais j'arrête. Nos chemins se sont séparés, écrit Jean Bandet dans la biographie consacrée au chanteur. 5 ans plus tard, les deux amis se retrouvent. Pendant 3 ans, Jean-Jacques Goldman ne s'est jamais découragé. Sa cave de 30 M2 aménagée en studio était envahie de bandes d'enregistrement. S'est-il souvenu? Et d'ajouter au sujet de son ami, on avait même marché sur celle des « Il suffira d'un signe » et réussi à la sauver avec un fer à repasser. En voilà, de bien belles anecdotes de vie.